Déjà, malgré que ça soit un Haro en crise, faut jamais les sous-estimer, parce que pour moi, ça reste quand même une des deux, trois meilleures équipes de la Challenge League. Depuis que je suis là, en tout cas, Haro, c'est régulièrement, c'est toujours la meilleure équipe. Mais on a fait un très bon match du début à la fin. Je pense qu'on a maîtrisé notre sujet. On leur a mis trois buts, on leur a donné un cadeau. Je pense que sans ça, ils auraient pas marqué. C'était une belle démonstration, et en plus devant nos supporters, c'était vraiment cool. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que ça va être très difficile, ça va être un vrai combat. Parce que eux, je pense que pour le coup, ils auront beaucoup plus faim que Haro. Parce qu'on va dire que leur maintien, il n'est pas encore 100% acquis. Donc je pense qu'on va arriver là-bas, ça va être vraiment difficile. Ils auront faim, et on sait que là-bas, comme tu as dit, c'est jamais facile, surtout avec le voyage, pardon. Faut arriver là-bas concentré dès le début et bien entrer dans le match.